Julio, salut, c'est Julio du coup. J'ai commencé à LAN Pharaonic, c'est à LAN Pharaonic 10, ça a été ma première LAN. Suite à ça, j'avais bien aimé l'ambiance, donc j'ai continué à en faire. Et là, je pense que ça va être mon dernier événement des Pharaons, parce qu'après en fait je vais partir en Bretagne et me lancer justement dans une structure bretonne. Donc s'il y a des Bretons, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera un peu trop long, parce que du coup je vais devoir me taper plus d'une dizaine d'heures de route. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le refaire. Mais... Après j'espère, parce que du coup il y a une bonne organisation, les admins sont sympas. Ouais. Avec le temps du coup ça devient un peu convivial et tout, c'est un peu la famille. Donc voilà, c'est sympa. Oh, c'est cool. Et du coup toi tu joues à CS principalement ou tu joues à d'autres choses un peu? Voilà, moi j'ai commencé CS en 2008. Mmh. Après j'ai fait des jeux lambda tels que Dofus, League of Legends ou des conneries du genre, mais après ça a vraiment été que CS depuis 2008. Donc j'ai commencé sur Source et après je suis passé sur CSGO. Tu rankes un peu, tu joues sur internet? Je joue sur internet, oui. Matchmaking pas trop, j'ai un smurf par contre. Ouais. Mais c'est vrai que je suis plus axé Faceit ou des packs Facebook ou les pick-up avec les potes. Ok. C'est pas ta première LAN à ton actif, t'en fais pas mal ou tu fais que de la Pharaon quasiment? J'ai fait pas mal de LAN. Bon, la Pharaon nuque, j'ai dû en faire 4-5. Ouais. Et sinon, j'ai fait une vingtaine de LAN pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui t'attire justement dans une LAN comme ça? Dans une LAN, ça permet de revoir ses collègues d'internet. Ouais. Donc ça, franchement, c'est cool. Et en plus de ça, voilà, ça permet de voir des nouvelles têtes, de connaître un peu les gens, éventuellement de trouver des joueurs. Après, pourquoi pas des partenaires ou des choses du genre, parce que des fois, il y a quand même des gens qui viennent. Mm-hmm. Et je suis surtout pour l'ambiance. Et puis ça évite de rester tout le temps chez soi. J'imagine, ouais. Franchement, il n'y aurait pas de compétition, je pense que je jouerais pas CS. D'accord. Moi, c'est vraiment pour me déplacer, voir du monde et passer des bons moments. Ça marche. Et tu fais partie de quelle line-up du coup? Je t'ai même pas demandé. Alors là, je joue avec les Oxmos. Ouais. Mais sinon, je suis à Vigny West. Voilà. Ok, et c'est une team. Alors en fait, j'ai lancé ça sur CSS le 11 novembre 2011. Ouais. 11. Putain. J'ai eu de la chance. On avait fait pas mal de line-up. Après, on est passé sur CSGO, ça a jamais bien marché. On a eu des hauts et des bas. Mais je suis tout le temps motivé. Donc en général, les gens, ils aiment bien me suivre parce qu'ils voient que je persiste dans mon délire. Et puis ça donne envie de me rejoindre. T'as une line-up active en ce moment? Actuellement, non. Mais là, je vais ouvrir du coup une équipe bretonne. Ouais. Après, je vais essayer de prendre une équipe à l'académie. Donc après, on verra. Après, si c'est des gens qui peuvent progresser, on leur mettra à disposition tout ce qui est du staff, genre les coachs ou les choses du genre. T'as déjà des idées de noms, des trucs? Tu vas garder ce nom-là? Ouais. Je vais garder Vigny West, ouais, parce que du coup on est passé en association cette année du coup. Ouais. Et l'association ça va permettre en fait d'avoir plus de partenaires et éventuellement avoir des apports financiers. T'as un lien à balancer, quelque chose? Ou t'as rien encore pour le moment? Non, vous pouvez me contacter sur Steam, Facebook, Twitter, donc c'est Rolio. Ouais. Ou sinon, le site actuellement il est en stand-by. Sinon, mon adresse mail c'est Rolio, R-E-L-A-O-P, @team-vignyoise.fr. Ok, ça marche. Voilà. Et c'était Rubio, c'est ça? C'était Rubio. À très bientôt.